Salut. Alors, pour commencer, je m'excuse si vous entendez du bruit au cours de la vidéo parce que y a du bruit là où je suis. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel, mais ça va être plutôt sur le surf. Soft, on va pas rentrer dans les détails, enfin, on va juste regarder pour prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture de Bobigny. C'est-à-dire que par rapport au confinement là, même si vous voulez récupérer une carte de séjour qui elle est prête, il faut prendre rendez-vous quand même à la préfecture. C'est du nouveau. Bon, je vous dis pas pour une première demande et puis pour renouvellement, enfin naturalisation, enfin tout ça. Alors pour ça, on va se placer ici sur notre navigateur, hein, peu importe lequel que vous utilisez. On peut taper remise. Bon, pour être plus clair, on va se mettre sur cette page-là. Pour être plus simple, max, hein. Ok, pendant qu'on arrive là, on va se mettre là. Et puis, on se met sur la page simple. Ok, et là on tape remise. De toute façon, ça vous a déjà proposé remise des cartes de séjour Bobigny. Donc ça dépend là où vous êtes. Donc moi je le fais par rapport à la préfecture de Bobigny parce que en ce moment c'est une préfecture qui est en général très chargée. Donc ce qui fait que les choses parfois sont un peu plus compliquées sur cette préfecture que bon, par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Les autres aussi, c'est le même système en fait. Si vous êtes dans le 95 ou voilà, ou 75 ou ça dépend. Maintenant, il faut aller sur le département où vous êtes. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs onglets, plusieurs sites. Donc on va prendre celui-là, prendre un rendez-vous accueil service d'état de tac, vous cliquez là-dessus. En général, vous arrivez ici. Ça c'est pour choisir le service que vous voudrez. Par exemple, là c'est le renouvellement des titres de séjour qui expire entre le 6 et 15 juillet 2020. Et puis vous avez pas mal d'autres d'autres options. Par exemple, demande de titre de séjour pour raison médicale, demande d'adhésion exceptionnellement au séjour. Bon, après il y a plusieurs choses. Ça dépendra du service que vous voulez. Par exemple, demande des documents de circulation pour étrangers mineurs. Tout ça, ce sont des démarches que vous pouvez effectuer sur le site de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Là, nous, on a dit qu'on allait voir pour la remise. On va prendre remise d'études de séjour section délivrance Bobigny. Ok. Naturalisation, si vous voulez, vous aurez pu choisir aussi. Enfin, il y a plein de choses. Nous, on va rester sur remise. Vous arrivez ici, là. Attention, ça c'est un petit parcours. Il faut que toutes les étapes là, que ça passe à la couleur que vous allez voir tout à l'heure. Vous arrivez ici, bon là si vous voulez, il y a de la lecture si vous voulez. Hein. Et là vous pouvez cocher cette case là. Veuillez cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation avant de continuer le parcours de prise de rendez-vous. Ok, vous arrivez ici. Vous cochez, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous faites effectuer et là vous avez plusieurs guichets. Ça, ce sont les guichets en général. La première, enfin, on va voir, ça dépend. Donc, nous on va tester sur le P. Si on teste sur le M, vous verrez ce que ça vous dit. Le plus souvent, on vous dit ça comme message. Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. Donc,
Ce soir, les rendez-vous sont pas encore mis. Les rendez-vous sont pas encore mis. Et l'organisation n'est pas encore finie. Bon, la plupart du temps, il y en a. Donc là, par exemple, je peux faire terminer. Sur ce bureau-là, il n'y a pas. Et puis, on retourne là. Et là, lorsque vous cochez cette case encore, et vous faites effectuer une demande de rendez-vous. C'est ce que nous allons faire. On avait essayé avec M, on va essayer avec N. Ok. Puis c'est bon, là c'est le même message, il n'y en a pas. Ce qui veut dire que il n'existe plus de plage d'horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Vous faites terminer, vous retournez à la page précédente, vous cochez cette case encore, vous faites une nouvelle demande. Donc là, on va essayer avec O, parce qu'on avait essayé avec N, faites suivant, étape suivante. Et pareil sur le O, il n'y en a pas aussi. Sauf qu'il n'existe plus de plage dorée. Ok, on fait terminer. Là, on a plusieurs guichets. On va les faire un après l'autre. Il va avoir un guichet qui va avoir des places. C'est pas sur le premier coup on dit qu'il n'y en a pas. Là, on avait essayé avec le O, on va essayer avec le P. On fait étape suivante. Et la même chose. Étape suivante. Et là, sur le P, il y en a. Il y en a pas mal. Vous voyez que voici les rendez-vous. Ok, donc si vous voulez, là c'est le lundi 15 juin et puis le mardi 16 juin et le mercredi 17 juin et le jeudi 18 juin, le 19 juin et le 20 juin, et le 24 juin. Donc normalement ça, il y a pas de, y a, c'est pas encore calculé. Mais dans le tableau, comment on bouge là-dessus? Par exemple là, lorsque vous voyez que là c'est complet, complet, complet partout, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Mais c'est-à-dire que là, à 9h55, cette place-là, elle est libre. Si vous voulez choisir ce créneau horaire-là, vous cliquez dessus. Et puis, vous allez pouvoir entrer les informations que moi, je ne vais pas pouvoir vous juste y aller. Puis, je vais vous laisser, parce que là, ce sont des informations confidentielles. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Donc ce qui fait que c'est comme de toute façon la base c'est ça en fait. Faut trouver un guichet qui voilà, vous voyez, c'est nom, prénom, état, ta, et puis tout ça il faut les rentrer. Bon, moi je vais pas le rentrer avec vous. Et puis lorsque vous aurez fini, vous voyez que sur cette parcours, sur cette flèche là, on est là déjà. Ok, on est à coordonnées personnelles. C'est-à-dire que tout le parcours, toutes ces autres flèches là, on les a déjà effectuées. Ok, prise de rendez-vous, papa. Là, on est là. La dernière étape, il va falloir rentrer vos informations personnelles. Donc, chose que je ne vais pas faire avec vous, et vous suivez les étapes. Donc, du coup, je pense que pour la prise de rendez-vous à la préfecture, c'est comme ça. Smart Créoltech vous salue.